déjà à la fin de la saison. En fait, j'ai vraiment envie que la pêche rouvre parce que je suis en manque là. Ouais. C'est de pire en pire, d'année en année. Mais là, c'est fini parce que y a les salons qui arrivent. Les salons qui arrivent, oui. Ouais. Ouais. Donc le premier là, c'est quand là? Bah là, on a Toulouse. Donc la semaine prochaine. Ça, et puis oui, en fait tout le mois de février quasiment. Ouais, d'accord. En parlant justement des salons, au niveau des cannes, oui. Souvent, moi je ne sais pas quelle différence exactement il y a entre les différents types de cannes. La T50, pourquoi la T50, T56. Ouais, tiens, je vais t'expliquer, tu vas voir. On va en prendre une de chaque. On va prendre la 9 pieds en T36, 9 pieds T42, 9 pieds comme ça en T50, et voilà. On va aller au bureau, puis je vais allez, tout expliquer. Puis après, je vais même tout te faire essayer une par une, une et par tu une. Verras vraiment la différence. Ouais. Le catalogue, on va le garder. Alors, donc, tu vois, c'est donc, relativement... T36, T42, T50 et T56. Voilà, donc ça, c'est une chronologie. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, forcément, déjà, il y a les cannes pour le marché, hein. Tu as des cannes qui sont aux alentours de, on va dire, 150-180 euros en T36. Après, tu passes à 250, on va dire 400 et quelques. Donc, qu'est-ce qui fait déjà la différence? C'est soit le cosmétique, donc des porte-moulinets différents, des poignées liège avec des grammages, enfin des lièges beaucoup plus fermes. Et puis, après, tu as le carbone. D'accord? Donc en fait, c'est des nappes de carbone, on appelle ça en fait des modules de carbone. Donc là, plus tu montes dans le module de carbone, en règle générale, plus tu as des cannes, maintenant avec les nouveaux carbones, des nouveaux modules résistantes, mais en plus de ça, légères, et on peut encore plus doser le côté action de pointe, un tout petit peu moins, en ayant des cannes qui vont un peu moins de l'avant. Et en fait, tu as des cannes hyper légères, et donc, c'est là qu'on. Souvent, des pêcheurs comparent que plus la canne est légère et mieux elle est. C'est faux. C'est faux, oui. C'est faux. En fait, il faudrait parler de poids de blanc, c'est-à-dire la canne nue, sans les accessoires. Parce que si tu mets un porte-moulinet qui fait, on va dire, 30 grammes contre un porte-moulinet qui fait 20 grammes, ça change tout. Alors, il y a des intérêts, des fois, d'avoir un porte-moulinet plus lourd. Ce qu'il faut, c'est un équilibre. Donc, pour l'équilibre, tu vas le voir, on va les essayer une par une. J'ai pris que des 9 pieds, tu vois. Oui, je vois que c'est... Donc, pour bien comparer ce qui est comparable. Ouais. On ne peut pas comparer une 8 pieds 8 avec une 10 pieds, quoi. Complètement. Donc, même si dans une canne, par exemple, on va dire T36, plus tu vas monter en longueur, plus tu auras une canne forcément un peu plus lourde, puisque tu as plus de matière, et plus ça peut piquer de l'avant. Mais plus tu montes dans les hauts modules... Et eh ben même une canne longue arrive à moins piquer de l'avant. Ouais, ouais. Donc d'abord, on est d'accord que c'est rapport qualité-prix. Après, le poids, il faut oublier ce côté poids. Chaque fois qu'on me pose une question, votre canne fait quel poids? Alors, tu vois, j'ai une fiche maintenant pour quand même le renseigner. Par exemple, tu prends une T36 en 9 pieds, c'est 98 grammes. Donc, après, tu prends une T42, toi, par exemple, de 9 pieds, oui. C'est 92 grammes. Après, tu vas prendre une T50 en 9 pieds, soit 4,5, t'es à 88 grammes. Et après, tu prends une T56 en 9 pieds, t'es à peu près pareil. En fait, simplement parce qu'on est à peu près sur des mêmes carbones, on va dire, au module. Il y a simplement un peu de souplesse un tout petit peu différente. C'est okay, tout. Oui. Donc, en fait, c'est toujours un blanc nu qu'il faudrait comparer. Parce que entre le porte-moulinet qui est sur une T36 ou une T56, c'est pas le même grammage. C'est pas le même. Ouais, d'accord. La ouais. poignée liège, c'est pas forcément la même longueur. Entre une poignée tulipe, une poignée fine. Donc, il faut oublier
le côté, le poids de ma canne. Alors bien entendu, une 9 pieds qui ferait 120 grammes, c'est bon pour une 9 pieds soit de 9-10, mais pas pour une 9 pieds soit de 4-5. Exactement. D'accord, ouais. Donc ça, il faut vraiment que tu enlèves ça de ta tête, le poids, c'est l'équilibre qui va compter. Ouais. Par contre là, je vois soit 3-4. Oui. C'est bon, ouais. Alors ça, on va y venir aussi. Quand tu as une canne qui a une double numérotation, d'accord, c'est en fait, aujourd'hui, une soie, elle est faite, enfin une canne, quand on l'établit, quand on l'étalonne, c'est avec 11 mètres de soie. Parce que forcément, quand tu pêches, on va dire, à 5 mètres, tu as peu de soie d'or, donc tu as peu de poids d'or. Quand tu pêches à 8 mètres, tu as un peu plus de poids, mais tu n'es encore pas à son rendement complet. Mmh. Donc, on est obligé de mettre une distance. Donc, une distance qui va de jusqu'à 11 mètres. Tu sors 11 mètres de soie. Et là, je teste la canne avec ces 11 mètres. Et je fais là, est-ce qu'elle est en harmonie? Est-ce qu'elle charge bien? Alors après, tu vas me dire, on en reviendra après pour les soies. Il y a des soies décalées, des soies parallèles, tout ça. Non, il faut essayer de se mettre, on va dire, aujourd'hui, 90% des gens pêchent avec des soies décentrées, décalées. Donc, on a ce poids qui est un peu plus à l'avant, et on a ça charge la canne. Donc, pourquoi deux numérotations? Déjà, une, si tu veux, entre, si tu pêches habituellement dans des grandes rivières, et que tu, on va dire, tu pêches souvent à plus de 12 mètres, eh ben, tu peux mettre une soie de 4. Ouais. Parce que tu vas avoir plus de soie dehors, donc ça va charger la canne un peu plus. Si, au contraire, tu pêches beaucoup à 8 mètres, tu ne te poses pas de questions, tu mets une soie de 5. Après, c'est la qualité du pêcheur qui va faire la chose. Nous, on pourrait peut-être mettre une soie de 3 et on va le faire fonctionner parce qu'on va actionner un peu plus le bras, on va avoir un petit mouvement en plus et on va la faire fonctionner. Ce n'est pas un souci. Oui. Mais en fait, le vrai équilibre, le vrai confort, c'est dire je pêche court, ben je mets une soie un peu plus forte. Enfin, le numéro au-dessus. Mmh. La même chose que, par exemple, un débutant, sur une canne comme ça, en soie de 4-5, un débutant, vraiment, je lui conseillerais une soie de 6. Ah oui, parce qu'il oui, oui. va pêcher, en règle générale, à 8-10 mètres. Oui, oui. Voilà. Et pour qu'il ait plus de sensations, ça va mieux armer la canne. Mmh. Et puis, une fois qu'il aura fait sa première saison, la soie de 6, il la met de côté, il prend une soie de 5. Et puis après, il aura l'équilibre parfait, parce qu'il aura appris à contrôler tout ça. Oui. Ensuite, pour nous, par exemple, en règle générale, on a toujours des soies de 5. Pourquoi? Parce qu'on est polyvalent. On est polyvalent sur des distances à la fois courtes et longues, de sèche et de nymphes, surtout à vue, mais de nymphes. Donc, il vaut mieux avoir un vrai tracteur. On sait calmer la canne, on sait l'accélérer, donc on reste là-dessus. Effectivement, l'été, quand t'as des, comme cette année, là où on n'avait pas beaucoup d'eau, les rivières vraiment très très basses, ben, t'as vu, je t'ai fait descendre avec une soie de 4. Oui, c'est vrai. Ouais, donc, ouais. On a un petit peu affiné. C'est pas énorme, mais c'est, on aurait presque pu mettre une soie de 3. Donc, voilà comment il faut prendre les choses. Bien compris, en règle générale, il faut quand même bien se mettre la chose, c'est qu'une 9 pieds soie de 4-5 ou une 8 pieds 8 soie de 4-5, voilà. Tu pêches normalement. T'es un bon pêcheur, la 4 ou la 5, ça ira, mais t'es polyvalent, tu me prends la 5, et l'été, tu peux lancer une 4. Un débutant ou quelqu'un qui a un petit défaut de lancer, ben, il prend forcément une 5, il ne faut pas essayer, parce que de toute manière, la soie sur l'eau, quand on parle de la discrétion, ça aussi c'est un autre sujet que je t'expliquerai après, mais une soie, elle se finit de toute façon à 1 mm. Après, tu as le baline qui va faire son travail. Mmh. Donc, il faut plutôt équilibrer cette canne. Donc, on a aussi, ce qu'il faut aussi, c'est savoir c'est comment choisir une canne en fonction des endroits où on pêche. Donc ça, c'est important. Donc, de la longueur de la canne. La longueur et la puissance. Et la puissance. Et oui. Ouais. Donc, en fait, on va commencer par le bas. Quand tu as une 7 pieds 6, il faut considérer que c'est pour les petites rivières. Mmh. Donc, c'est des petites rivières au rapide, où tu vas pêcher en sèche. Donc, 7 pieds 6, ça a juste l'encombrement nécessaire pour, on va dire, le faible encombrement pour pouvoir passer sous les arbres, avoir des lancers, on va dire, adéquates, où tu n'es pas trop gêné par les branches. Oui. Après, par exemple, en T42, on a une 8 pieds 2. On va dire, pareil, sèche, petite moyenne rivière, en fait, des rivières de 5 à 10, 15 mètres, sans problème. 8 pieds 8, la longueur, nous, on pêche.
On s'adapte, nous, pour toutes les rivières. C'est-à-dire, on va pêcher en moyenne rivière, grande rivière. Mais normalement, dès que tu vas sur les grandes rivières, déjà, la canne la plus standard, c'est à 9 pieds. 9 pieds. C'est la canne la plus utilisée pour pêcher, on va dire, à tout avec. Après, tu as des cannes pour toujours dans des cannes avec des puissances de soie de 4-5, 3-4-5. Hein. Tu as des 9 pieds 4, on va dire moyenne rivière, un peu plus, très polyvalente, qu'on a en T56. Après, tu as les 10 pieds. Donc les cannes 10 pieds aujourd'hui sont beaucoup utilisées parce qu'en fait, déjà, souvent, les pêcheurs pensent que grande canne, dire d'aller plus loin, ce qui est un faux problème. Oui. Mais avec les pêches en infofil, tout ça, c'est quand même une polyvalence. Donc on fait souvent des cannes de 10 pieds, soit de 2-3, 10 pieds, soit de 3-4, 10 pieds, soit de 4-5. Et ça, c'est souvent la canne très utilisée aujourd'hui pour la polyvalence de la nymphophile, de la sèche. Voilà. Exactement. Ouais, 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 ouais. Après, tu as toutes des cannes avec des soies plus fortes. Donc, si tu veux pêcher en réservoir, il te faut au moins, on va dire, pour pêcher au streamer, au chironome, au moins une 9 pieds 6, soit de 7-8, ou des 10 pieds, maintenant, le très utilisé en réservoir, c'est 10 pieds, soit de 5-6, on va dire une canne sèche chironome, et une canne 10 pieds, soit de 6-7, ou 10 pieds, soit de 7-8. Très utilisé aujourd'hui, c'est 10 pieds, soit de 6-7, très polyvalente, canne a vraiment à tout faire, et avec des bonnes réserves de puissance pour vraiment faire du shoot. Donc 6-7, 7-8, suivant ce qu'on veut faire. Et si on veut tracter donc des leurres un peu plus lourds, on prend 10 pieds, soit 7-8. Puisque toujours le problème de la soie qui tracte un leurre. Alors. Donc en fonction de la taille du leurre, on prend, si on a l'habitude de pêcher qu'avec des gros streamers, il faut forcément une 7-8. Donc, et là, l'idéal, c'est plutôt 9 pieds 6, soit 7-8. Oui. Parce que ça va, tu vas pouvoir allonger, être beaucoup plus rapide, faire des vrais shoots avec. Donc réservoir, on a bien vu 10-5-6, 10-4-5, 10-5-6, 10-6-7 ou éventuellement 10-7-8. Et après, tu as les cannes, donc souvent en 9 pieds pour les pêches de carnassier, où là tu as du 7-8 ou du 9-10. Donc là, le choix il est vite fait. Hein, tu veux tracter des gros leurres, c'est forcément ça qu'il faut. Enfin, moyen leurre, gros leurre, c'est forcément ça. Donc c'est comme ça qu'on arrive à choisir ses cannes en fonction de... Mais bon, il y a quand même des bonnes polyvalences hein, pour pêcher en rivière. Une 10-3-4, 10-4-5 ou une 9-4-5, là tu fais beaucoup de choses avec. Hein. Mais la plus utilisée, c'est de toute façon la 9 pieds pour le pêcheur normal, qui pêche en rivière normal. C'est la taille... Nous, c'est 8-8 parce qu'on préfère gérer ce petit différence de 5 cm est quand même important et on fuse un peu plus vite. On a, pour nous, un peu plus de précision. Quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est important de savoir choisir sa canne donc, en fonction. Quand même, plus les petits, plus les précises. Alors oui, entre 7 pieds 6 et 9 pieds, tu as des grandes précisions. Avec une 10 pieds, on peut être très précis. Ah bah, oui, mais oui, bien sûr. Quand il y a du vent et tout ce qui s'en suit, tu as quand même un petit handicap quand même. Mmh. Donc, en fait, comme on sait très bien que dans le mouvement, il faut avancer le bras et pour pouvoir bien fuser, donc tu avances plus vite. Plus tu as une canne courte, plus tu avances vite. Plus tu avances vite. Voilà. Ouais. Donc, tu as moins de prise au vent pour des pêches à distance. Mmh. Donc, voilà comment tu peux choisir la canne en fonction de d'où tu pêches et comment tu pêches. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, pour la conception de canne, moi, quand je fais des conceptions, alors plus la canne est, on va dire, comme une T56 ou une T50, qui sont des cannes quand même déjà haut de gamme, j'essaye, dans la conception, de faire... Donc déjà, on dessine un mandrin. Donc c'est on va dire, du métal qui fait un certain cône. Et là-dessus, on va découper des nappes de carbone qui vont être, on va dire, comme ça, tu vois. C'est des cotes qui sont vraiment hyper importantes. Donc, cette nappe de carbone, elle va être découpée, on va dire, comme ça. Donc, ça, par exemple, pour le sillon. Après, tu as une autre trame pour, on va dire, le porte-sillon, etc. Ah oui, oui. Et en fait, on va mettre le mandrin ici, et avec une taque de verre, on va rouler comme ça. Et forcément, comme tu as un cône, eh ben, tu as plus de matière d'un côté que de l'autre. Bien sûr. D'accord. Mais tu as autant d'enroulement. Et ce qui compte, c'est que cette fin-là vienne bien sur la fin d'ici. Oui. Donc c'est vraiment micrométrique et il faut que ça soit parfait. Donc une fois que tu as fait ça, après tu entoures ton carbone, on va dire, tiens je te fais un petit truc de fabrication, mais d'un genre de cellophane, et après ça va passer en four, en polymérisation. Après tu ressors du four, et là tu as un ponçage.
Et après, tu as un vernis, tu as une peinture, tu as tout ce que tu veux. Et après, un assemblage pour que ce soit parfait. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, toutes nos cannes, n'importe quelle personne qui peut, admettons, casser un sillon, nous commande un sillon, il n'y a pas de problème d'emboîtement, c'est parfait. C'est parfait. Jamais j'ai de problème. Moins la qualité de la canne est faite, plus tu es obligé de demander l'élément pour réadapter à chaque fois, pour pas que ça boite. Ouais. Donc ça, je t'ai fait un petit truc, toi, fabrication. Donc, quand je conçois une canne, par exemple, j'ai un talon, si c'est une 4 brins, toi j'ai un talon, j'ai 4 éléments comme ça. Donc là, par exemple, sur ce genre de au niveau du sillon, une fois que j'ai mon mandrin, je vais faire, on va dire, 4 échantillons différents, avec des modules différents. Là, en moyenne, j'en fais 3, là j'en fais 2, et là j'en fais 2. Tout est numéroté avec le numéro du module. Oui. D'accord ? Et après, je mets dans la cour, je mets une soie dessus, appropriée, et je fais tous mes changements, et je vois le meilleur rendu. Donc c'est long, hein. C'est un travail. Tu fais ça une journée quasiment. Hein. Oui. Et après, le lendemain, dans ce que tu as retenu le mieux, tu réessayes. Il n'y a que toi qui essayes ou d'autres personnes. J'essaie toujours d'avoir une ou deux personnes avec moi pour avoir le ressenti aussi des autres. Et là, tu arrives à trouver tout ça. Donc en fait, c'est des modules que tu peux... Nous, on a des cannes qui ne sont pas forcément faits avec tout le même carbone. Toi, des fois, je prends un peu moins de modules ici, et un peu plus ici, un peu plus ici. Oui. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est toute une, on va dire, un travail de où tu assembles, d'assemblage avec pour trouver le meilleur rendu. Une fois que tu as trouvé ça, par exemple pour le 9 pieds, tu peux à peu près refaire la même chose pour les autres cannes. Parce que ça veut dire que tu es dans l'action de ce que tu appelles une T56 ou une T50 ou une T42 ou T36. Oui. D'accord ? Donc, on a bien compris, si tu veux, c'est que, en règle générale aussi, c'est que plus... une canne, on va dire, il y a un rapport qualité-prix qu'une T36, c'est forcément pas une action de pointe. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'une canne, on va dire, haut de gamme, est forcément qu'une action de pointe. Donc, mais là, par contre, dans toutes ces cannes-là, tu vas voir, moi, je fais toute une progressivité. C'est-à-dire que j'ai une option, on va dire, un peu semi-parabolique, un peu à peine plus puissante, encore à peine plus puissante, enfin plus puissante, à peine plus rigide, hein, La puissance, on arrive à avoir les mêmes puissances, hein. Et après, en T56, on est plus rapide. Et après, donc, comment tu peux choisir ton... Et voilà, c'est ça, la question. Ça, c'est le plus dur. Oui. En fait, une canne, c'est comme, par exemple, une voiture. T'as des gens qui aiment les voitures, on va dire, un peu souples. T'en as qui aiment les voitures très raides sur la route. Ben, c'est à peu près pareil. On va dire qu'en général, normalement, c'est pas encore quelque chose qui est complètement... qu'il faut figer. Mais plus tu es, on va dire... quelqu'un de dynamique, on va dire, un peu nerveux, tout ça, normalement, tu es sur une T56. Quelqu'un qui est un peu plus, un peu plus réfléchi, un peu plus, à peine plus lent, la T50, il lui donnera la même chose, mais dans son confort Dans son confort. D'accord ? Oui. T42, T36, c'est toujours le côté, on va dire, c'est un peu comme T50, T56, voilà. Tu as, c'est un peu plus rapide en 42, donc un peu moins en 36, mais c'est la même puissance. Donc nous, par exemple, si tu veux, on pêche avec une 9 pieds, 8 pieds 8, hein, mais on va dire 9 pieds soit de 4-5. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pêcher avec une T50. C'est des fois quelque chose qui nous irait bien. Si on pêchait qu'en sèche, par exemple, c'est une canne qui, pour nous deux, moi des fois je la prends, Je l'ai prise aussi. Et en fait, elle est tu l'accompagnes, on va dire, tu la bloques moins, un peu moins. Elle te pardonne un peu plus. Et tu respires un peu plus aussi. Elle te pardonne un peu plus ses erreurs. Moi, c'est vraiment la T50, c'est vraiment la canne qui convient à beaucoup, beaucoup de personnes. Quoi. T56, souvent, je fais essayer les deux. Hein, et dès que les gens la prennent en main, tout de suite, je dis, non, ça, c'est T50. Même s'ils auraient envie d'acheter une T56, par exemple. C'est pas... faut vraiment essayer de trouver son bon compromis. T50 pardonnera mieux. La précision, pareil. Mais il faut trouver sa vraie action, quoi. Mais je vais te faire essayer. On va les essayer dehors. Et tu vas vraiment comprendre la différence en crescendo. Par contre, quand tu essayes ça,
toujours partir de par exemple de la T36, après tu essaies de la 40, en progression, la 42, la 50 et la 56. Mmh. Parce qu'en fait, on partait de là, après tu vas dire, oh, ben non, ça c'est plus lourd, ça c'est plus lourd, ça c'est plus lourd. Mmh. Que c'est faux, c'est un équilibre. Ouais. Donc, et une chose que je t'ai pas dit, pareil, on parle toujours du poids de la canne, comme je disais tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. D'accord. Ouais. Ce qui est, comme on a dit, quelque chose qu'il ne faut pas focaliser dessus. Mais par contre, le défaut que beaucoup de personnes peuvent avoir, c'est qu'ils voudraient toujours un moulinet léger. Et moi, je suis pour le moulinet plutôt lourd. C'est-à-dire, pour moi, un moulinet... j'avais sorti aussi les grammages, toi. Un moulinet, pour moi, c'est entre 140 et 170 grammes, par exemple, toi. Parce que, quand tu pêches, imagine de pêcher sans moulinet. Ça, c'est la plus grande des légèretés. Oui. En fait, t'as plus rien qui te fait le métronome, toi. En fait, t'as pas le contrepoids qui est là. Et plus tu mets léger, et plus toi tu dois forcer à lutter. Essaye de travailler avec une canne sans moulinet, mais tu essayes une seule fois. C'est très, très dur. Tu vois, c'est inlinçable, ouais. Quasiment inlinçable. Mm. Donc, le moulinet, pour moi, il faut quelque chose de lourd. Alors, pas sur lourd, mais pour moi, 150 grammes, 160, 170, mais c'est parfait. Mm. Donc, tu as la soie qui est dessus, donc tu vas rajouter tes 25-30 grammes de soie. Oui. Mais après, ça va sortir, donc forcément, tu as moins de poids, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour un confort. D'accord ? Allez, on va essayer et ça. L'équilibre, ouais. On va essayer ça. Je vais prendre un moulinet. Un moulinet, oui. Ouais, ouais. On va prendre le même moulinet, la même soie. Allez, allez ! Bon, on se pose où, là ? On va se poser là. On va les mettre là derrière, là. Tiens, mets-toi là. Donc, on commence par la T36. Oui. Hein, on progresse. Ah oui, comme je t'ai dit. Ouais. Voilà. Il faut que tu sentes bien la différence. Il manque un élément, regarde voir dedans. Alors pareil, quand tu montes des cannes, toi, c'est vraiment bien les assembler. Souvent les gens ils les enfoncent pas assez. Tiens, viens voir, essayer. Tiens, ça va. Donc là, T36. T36. Voilà. Alors, comment tu le trouves ? Très agréable. C'est agréable, hein ? C'est... Donc, toi, ça pose relativement très bien. Très bien. Donc, ça, c'est super rapport qualité-prix, toi. Mm-hmm. Et tu as compris que l'action, on était à peine plus lourd quand même qu'une T56, tout d'accord ? Tout à fait, oui. Mais oui. Avec une action, on va dire, qui travaille déjà un peu plus dans le... Plus parabole. Dans, semi-parabolique, hein, on va dire. Hein. Ouais, plutôt, on va dire, c'est déjà du progressif. Déjà, hein, c'est parce qu'aujourd'hui on est quasiment tout en progressif, mais on sent que ça travaille déjà un peu plus dans la poignée. Et justement, pour quand on débute, c'est bien des fois d'avoir une canne qui enroule bien les choses. Exactement. Ah oui. Donc c'est super compromis. Voilà. D'accord. Ouais. Maintenant, je vais te faire essayer la T42, toi. La 42. Et en fait, on va monter et on va retrouver, on va aller plus vers notre action à nous, toi. Ah oui. Mais c'est important de passer par toutes ces actions. Bah oui. Tiens, tu vas prends-moi ça, prends-moi juste ça, et le moulinet, tiens. Donc là, toi, T42. Il y a une chose aussi qui est importante de savoir, c'est que, bon, toi tu le fais bien, mais déjà normalement tu as des points d'alignement, donc bien entendu on vérifie que la canne est bien alignée, et une fois que tu l'as positionnée, il faut l'enfoncer, et encore
2-3 mm qu'il faut enfoncer. Parce que souvent, on n'enfonce pas assez. Et après, les vibrations, elle monte. Et c'est là qu'on casse une canne. Oui. Donc, il faut pas l'enfoncer comme un âne, hein, mais... Toi, je fais ça, je regarde si mes anneaux sont dedans, comme il faut, et j'enfonce. Et pareil, important, c'est quand tu... On a des gens, des fois, qui cassent des cannes simplement dans le montage, parce qu'en fait, ils s'y prennent pas tout à fait comme il faut. Donc, tu prends ta soie, le haut de ta soie, tu la plies, comme ça, sans dire la serrer à fond. Tu commences à passer dans les anneaux, et là, tu la poses, tout doucement. Et après, ça va très vite. Donc, en fait, tu as simplement à suivre le blanc, d'accord ? Et en fait, ça passe relativement très vite. Et là, c'est le plus important. Tu vérifies. Il y en a qui font ça. Oui. D'accord. Et puis en fait, qui vont tirer plus bas sur la soie. Et en fait, il suffit qu'un anneau, un nœud se coince ou n'importe quoi, ils vont faire une pression verticale comme ça. Et ça, le carbone, il n'aime pas. Donc en fait, quand tu finis de passer des tours, tu sors carrément tout en bas de ligne. Parce que là, tu n'as pas de pression. Ça. Voilà. Donc mon bas de ligne, là, il est sorti. Ouais. Donc là, tu prends comme il faut. Et là, tu n'as plus les anneaux, tu n'as plus, les nœuds qui sont dans les anneaux, qui peuvent faire une pression se bloquer. Ouais, tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, toi, je te mets toujours la même distance. C'est la même distance, voilà. Ouais. Donc là, on est à, on va dire, 10 mètres, 11 mètres. Donc tu as la bonne sensation, normalement. Ah oui, on sent la différence. C'est... Voilà. Oh. Donc tu as à peine plus de rapidité. Exactement. À peine plus de légèreté. Ah, oui. D'accord. Mais par contre, on fait la même chose. Tu as des personnes où cette action-là leur convient parfaitement bien. Oui, oui. Ça convient, on va dire. Oui. C'est pas s'identifier toujours à une canne qui est chère. Ou il faut arriver à trouver. Et puis, bien entendu, c'est toujours le rapport, on va dire, budget, tout. Hop. Là, tu me la sors la T50, voilà. Alors, la T50... Il n'y a que des chiens, là. Ah oui, voilà. On a progressé dans l'action de pointe, là. Voilà. Ah, là, tu es encore dans très progressif. Ouais, ouais. Parce que c'est vraiment après la canne que tu peux faire travailler à toutes les vitesses. Hein. Ah là, oui. Voilà, tu peux la ralentir, tu peux... En fait, en fonction s'il y a du vent, pas de vent, si tu es en sèche ou en inf, ah, oui, tu peux vraiment lui faire des mouvements différents. Et déposer de plus en plus doux. Ah oui. Et quand tu as du vent, il faut rentrer dedans, tu as de la puissance. Voilà, super. Toi ? Vraiment bien. Donc toi, tu la prends. Toi, tu peux être un peu brutal, on va dire brutal, j'accélère, je bloque. Toi ? Et puis après, je peux carrément la ralentir. Tac. Hop, je pose. Et tu vois, regarde, ça pose. Tout, ouais. Tout doucement. Ah, oui. Donc c'est vrai qu'en sèche, c'est une super canne. Oh, ah. Nous, c'est plus sur la rapide, mais là, on a vraiment un bon rendu, quoi. Donc, c'est ça, les différences. Quoi. Mais on voit, là, on a bien senti la progression. Et là, on va prendre la T56, la dernière. Bon, je commence à sortir la dernière. La T56. Voilà, donc maintenant, la plus rapide, pareil, voilà, que tu peux faire travailler, on va dire, plusieurs vitesses différentes. Ouais. Donc tu peux vraiment la calmer. Par contre, c'est vrai que si tu fais une erreur derrière, elle te pardonne un petit peu moins. Tu récupères, mais c'est récupère moins. Mais par contre, là, on est, c'est d'après une autre manière de faire, voilà. C'est ce qui nous convient le mieux.
voilà, qu'on connaît parfaitement. Toi ? Là, c'est la chirurgie, la tarie. Ouais. Mais pareil, la T50, tu vas aller sous les arbres, tu peux y aller, quoi. Simplement que c'est une action qui est plus, à peine plus lente, mais à peine. Hein. C'est subtil. Hein. Et pourquoi, alors, justement, on a des gammes de cannes qui sont très chères, qui arrivent à 800, 900 euros, alors que là, une T56... Alors moi, c'est... Enfin, je pense pas qu'on y arrivera un jour, parce que de toute façon, j'estime que c'est pas justifié. Pour moi. Alors, qu'est-ce qui n'est pas justifié ? C'est sûr que si tu mets un porte-moulinet avec des choses pas possibles dessus, là tu vas travailler de la mécanique ici. Tu vas mettre une autre poignée, tu vas faire plein de petites choses dessus ou n'importe quoi, mais sachant depuis le temps que je fabrique des cannes, que je fais fabriquer des cannes et que je les conçois, je vois pas comment on peut arriver à des cannes à 800 euros aujourd'hui. Surtout que quand je les essaye en comparaison à d'autres cannes, ben franchement, ça ne nous fait pas rougir. Quoi. C'est, on a quand même quelque chose où on a un vrai moteur. D'accord. Ouais. Alors, je ne te dis pas un jour une série limitée où voilà, tu fais des choses, ouais. Des poignées pas possibles, un tube en bois, des choses comme ça, qu'on ne pourrait pas y arriver. Mais moi, je reste encore dans le truc cohérent. Hein. C'est... Autant que, par exemple, tu vois des voitures, tu te dis, il y a des voitures à 200-300 000 euros, une Ferrari, bon, il y a quelque chose. C'est... Mais là, une canne, non. Je pense qu'il faut rester un peu cohérent. Et puis aujourd'hui, c'est plus du tout des choses qui sont, on va dire, convoitées. Alors si, tu t'identifies à une marque. Alors c'est vrai que quand ça vient de l'étranger, tu as des taxes qui sont énormes, donc c'est ça aussi qui fait monter les prix. Aussi, hein. Bien sûr. Oui, oui. Ça, il faut y voir ça. Mais non, là, je pense qu'il faut rester cohérent. Voilà. Cohérent. Ouais. Ouais. Et toi, c'est vraiment du petit bonheur. Quoi. Petit bonheur. Alors, pour ranger la canne exactement, Mais en fait, c'est très simple. Normalement, on commence toujours par le sillon, tu vois. Après, tu mets ton porte-sillon, tu as des éléments, tu as des compartiments. Tu les sépares. Tu as des compartiments. Et le plus important, oui. Ça sera de mettre la poignée en haut. Et la poignée en haut, voilà. Sur la moitié, sur les vibrations, le sillon, tout ça, ça tape sur la poignée. Donc, en fait, ça amortit. C'est pas très, très important, mais moi, je le conseille comme ça. Et ce qui était super flagrant, et c'est pour ça qu'il faut les essayer, il faudrait les essayer comme ça pour choisir sa canne. Oui. Parce que j'ai vraiment senti. Oui, moi déjà quand on m'appelle et puis qu'on me demande un renseignement, je pose des questions sur comment le comportement de l'individu, quoi. C'est-à-dire que vous pêchez comment, depuis combien de temps, où et tout ensuite. Et ça m'aide. Et après, c'est surtout, on va dire, votre tempérament. Tu vois, c'est ça qui va compter. Comment il va pêcher, plus en voilà. Sèche. Qu'est-ce qu'il a comme matériel s'il en avait, si c'est pas un débutant, ça aide aussi. Donc là, tu arrives à vraiment bien affiner. Bon, un petit café ? Allez. Un petit collège au code. Bon alors. Bonjour toi. Bon alors. Hein ? Dis. Hein, regarde. Bonjour, quoi. Regarde. Un griotte. Hein, Barlow, il adore ça. Et lui, là, comment il s'appelle, lui, là? Lui, c'est Ténieux. Ténieux. Oh là, c'est affreux. Il a un caractère de cochon.